Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est encore votre serviteur, l'esclave de tous. Dans notre émission Dieu parle encore, nous souhaitons continuer notre étude au sujet de l'hymne national. Installez-vous confortablement et nous allons partager ces quelques versets de la Bible et ces couplets de notre hymne national. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous assiste. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. C'est encore un privilège pour moi que de préparer à vous apporter ce message. Nous avons eu une interruption des enseignements au sujet de l'hymne national. Et ce soir, il est 0h33 minutes et nous sommes au 13 février. Nous allons lire une portion des Écritures et revenir sur quelques couplets de notre hymne national. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mabiala Gervais Régis, l'aumônier international, la voix des sans-voix, le père de tous, l'esclave de tous. Quand je dis le père de tous, c'est le père des personnes qui ont besoin de connaître des vérités que personne ne peut leur apporter. Moi, ayant reçu la grâce du Père éternel, qui est le Seigneur et le Sauveur Jésus, je me fais simplement le plaisir de laisser le Père Tout-Puissant, le Dieu de toute existence, se servir de moi pour vous parler. Donc, que Dieu vous bénisse richement et que l'Éternel nous comble de ses grâces pendant cet enseignement. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous venons te rendre grâce et te remercier parce que tu as toujours été avec nous. Pendant ces enseignements, tu n'as pas cessé de te révéler à nous, de nous parler et de manifester ta grâce, Seigneur, ô Dieu, après et pendant les enseignements. Nous croyons que cet enseignement de ce matin, Seigneur, ô Dieu, sera bénéfique pour ton peuple et pour tes enfants et pour toutes ces personnes qui te suivent en ligne, Seigneur, il y a 4 semaines. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Maintenant, je te présente aussi ceux qui vont écouter. Moi, tu m'as déjà changé, mais change aussi les autres, Seigneur. Telle est notre prière, celle cela par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage, au nom de Jésus, car tu discernes les pensées et révèles le secret des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous disons que notre hymne national a un refrain. Ce refrain se dit, unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité. Je pense que la fin de ce refrain est devenue le refrain national. C'est enfin notre sort vers la félicité. Nous avons dit que du temps de David, David a chanté des psaumes qui étaient des hymnes. Et ces hymnes étaient une bénédiction pour David, mais aussi pour Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il a vécu selon les psaumes, comme le psaume 16, c'était une hymne. Le psaume 56, 58, 59, 56, 57, 58, 59 et 60, ce sont des psaumes aussi qui sont des hymnes et qui ont servi à Jésus de marquer son histoire et de jouer son rôle
en tant que Messie et Rédempteur. Je suis un peu enrhumé, donc je ne vais pas trop durer, mais j'aimerais quand même avancer dans ces révélations. Alors, je disais tantôt, il y a le refrain uni dans la concorde. Et nous avons dit que la concorde vient de la coïncidence. Une concorde, des éléments qui concordent, ce sont des éléments qui coïncident ensemble. Ce sont des éléments qui s'accordent. Ce sont des éléments qui se jouent au moment opportun, qui se font au moment opportun, qui arrivent au moment opportun. Et nous avons dit que la seule personne qui est plus que capable, au-delà de tout ce que l'homme peut faire, de faire concorder le destin d'un homme, de sorte que ce qui avait été vu il y a 4000 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans soit accompli, 500 ans, il n'y a que Dieu seul. Et nous avons dit que la concorde, alors convient notre, comment dire, l'appellation de notre hymne national convient avec ce que l'Éternel va faire. Nous avons aussi décortiqué Gabaou, qui nous a fait ressortir Gabaon. Nous avons décortiqué Gabaou, que nous avons tiré dans Gabaon, le Gabaon, nous avons trouvé le Gabon et Gabaou. Nous avons trouvé Gabaou et Gabon dans Gabaon, une ville puissante, un pays puissant du temps de Josué qui a fait alliance avec le peuple. Donc, je vais peut-être revenir quand je serai un peu en forme sur cela parce que ce n'est pas bien passé. Il me semble que beaucoup n'ont pas vraiment saisi cela. Donc, je vais revenir un peu dans cet enseignement sur Gabon par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons prendre aujourd'hui éblouissant. Éblouissant et fier. Le jour sublime monte. Alors, de quel jour Dieu parlait-il lorsqu'il fit écrire? Il conduit Georges Damas Alika à écrire, ou peu importe le personnage qui fut utilisé pour écrire l'hymne national. De quel jour parlait-il? Parce que le jour, c'est au singulier. Donc, c'est un jour. Mais j'aimerais vous faire rappeler que quand vous entendez le jour, en fait, c'est une manière de parler d'un temps prophétique. C'est pourquoi vous vous entendrez parler, nous allons commencer à lire, vous allez entendre parler du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Donc, quand vous entendez parler le jour, ça, en fait, ça annonce quelque chose d'une action. Voilà, ça annonce une action ou une manifestation d'un esprit. Or, dans le contexte de notre étude de l'hymne national, le jour qui vient annonce quoi? Et qui est l'esprit qui prédit et qui annonce ces choses? Alors, allons-y, regardez dans la Bible sur le jour, en prenant exemple et appui là-dessus. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons regarder ça rapidement. Le jour de l'Éternel. Parce que nous sommes en train de chercher notre jour. Le jour. Le jour de l'Éternel. Excusez-moi. Ah, Seigneur, c'est vraiment un peu compliqué, mais ça va aller, ça va aller. L'apôtre Paul disait que la nécessité m'est imposée, que je sois en bonne santé ou malade,
il me faut servir le Seigneur. Ce n'est pas la grippe qui va m'embêter. En fait, là où j'habite, il y a la climatisation, donc la chaleur de l'extérieur, la chaleur ambiante de l'extérieur de la journée, et quand je rentre à la maison, et quand je vais au bureau, il y a une autre atmosphère. Donc ça me fait passer d'une température chaude à une température froide, et c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, bon, ça va, on est là, on tient bon. Je pense que le Seigneur nous soutient et il prend soin de nous. Alors, nous ne sommes plus loin. Mes bien-aimés frères et mes bien-aimés sœurs, je vous disais que j'espère que vous partagez ces messages à vos frères et à vos sœurs. J'espère que vous les partagez pour que ces messages soient vraiment suivis par l'ensemble de vos amis qui ont besoin de connaître le Seigneur, pourquoi pas. Prenons Joël à son chapitre 2. Il est écrit: je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Donc vous voyez, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors quiconque dans ce jour-là invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, il aura son âme délivrée. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Bien. Amos, à son chapitre 3. À son verset 14, il est écrit: le jour où je punirai Israël pour cette transgression, je frapperai sur les autels de Bethel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont par terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Vous voyez que quand vous entendez parler du jour de l'Éternel, c'est quelque chose qui annonce des événements. Et ces événements peuvent être heureux ou malheureux. Ils peuvent être des événements d'allégresse ou de tristesse. Tout dépend de ce qu'on a fait et de ce que l'Éternel, nous sommes rédévables à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dit et qu'est-ce que nous avons fait? Si nous avons fait le bien, c'est à coup sûr, nous allons récolter le bien. Mais si notre nation a mal agi ou agit mal, alors notre nation sera obligée de payer jusqu'au dernier centime ce qu'elle a fait contre l'Éternel. Donc, bien-aimés frères et sœurs, faisons en sorte que notre vie convienne à notre foi et que la grâce de Dieu nous aide à veiller sur nos vies. D'accord. Mes yeux commencent à s'assoupir. Je vais vraiment aller un peu vite. Agé. Oh là là, oh là là, oh là là. Sophonie, chapitre 3, verset 8.
Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Le butin, c'est en fait, c'est le trésor. Voilà, le butin, c'est une grosse part d'argent. C'est son butin. Voilà, c'est son trésor. Le Dieu dit qu'il se lèvera pour le trésor. Il dit encore, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Il dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Vous voyez que l'Éternel annonce que même l'Afrique aura sa part de responsabilité dans le salut et dans l'œuvre de l'Éternel dans cette nation et dans la vie de chacun et chacune de ses filles et chacun de ses fils. Donc, quand il a dit éblouissant et fier, le jour sublime monte, lequel des jours? Lundi, mardi, mercredi? Non, il ne s'agit pas de ces jours de semaine nommés par les Romains. Lundi qui est la lune, mardi qui est Mars, mercredi qui est Mercure, jeudi qui est Jupiter, vendredi qui est Vénus, samedi qui est Saturne, dimanche je ne sais plus laquelle des planètes. Bien, donc il ne s'agit pas de ces jours-là, mais il s'agit, en fait, c'est un message allégorique, comme j'aime toujours le dire, c'est, en fait, c'est quelque chose de voilé. Donc, dans notre nation, nous avons ce couplet-là, éblouissant et fier. Si je peux le faire jouer, attendez, je vais essayer si rapidement je peux retrouver notre très belle chanson. Attendez. Éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nos soleils. C'est enfin notre sort de la félicité, c'est enfin notre sort de la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pour chassant à jamais. Écoutez bien. L'injustice et la honte. Écoutez. Qu'il monte, monte encore. Qu'est-ce qui monte? Le jour en question. Alors, nous avons dit quoi selon la Bible? Quand vous entendez le jour de l'Éternel, quand vous entendez le terme le jour, de manière prophétique, ça annonce une action, ça annonce quelque chose, ça annonce l'entrée de jeu de la puissance de l'Éternel. Puisque nous avons déjà découvert que l'hymne national du Gabon est une prophétie pour le peuple gabonais que l'Éternel avait saisi les mains d'un homme pour nous le rédiger, pour nous la rédiger, cet hymne national. Et lorsque nous constatons alors que cet hymne national est une chanson, mais pas seulement une chanson, mais c'est une prophétie, alors nous essayons maintenant de comprendre les termes qu'il y a de cachés dans cela, mais tout en se joignant à la Bible. Alors, je vous ai toujours dit que je fais toujours un rapprochement avec le ministère de William Marion Burnham, qui est mon mentor. Parce que si je suis ce que je suis, j'ai la sagesse et l'intelligence que j'ai, Timothée pouvait se réjouir de Paul, Élisée pouvait se réjouir d'Élie, Josué pouvait se réjouir de Moïse, et que sais-je. Donc,
moi, les enseignements qui m'ont le plus impacté après les apôtres qui n'ont pas vécu dans ma génération et qui n'ont pas été plus proches de moi, ils ont été très loin. Celui qui a le plus prôné l'évangile du Seigneur Jésus, ce n'est rien d'autre que la personne de William Marion Branham. Bon, maintenant, vous aussi, vous pouvez reconnaître votre leader, mais pourvu que dans ce qu'il vous a enseigné dans le passé, que cela vous serve de tremplin et de base et de pont pour vous faire entrer dans votre destinée. Voilà ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Il m'a dit ceci. Dieu écrit le destin de l'homme et Dieu fait le destin de l'homme. Dieu écrit le destin. Voilà ceci qui va arriver, cela va arriver, ceci va arriver, cela va arriver. Et il fait le destin, c'est-à-dire qu'il place les éléments concordants pour que ces éléments viennent à s'accomplir. Mais maintenant, attention, ce n'est pas parce que Dieu écrit le destin, qu'il fait le destin, qu'il viendra l'accomplir. Pour accomplir maintenant le destin, l'Esprit de Dieu qui a fait la promesse, qui a prédit la chose, cherche des corps. C'est pourquoi vous verrez Jésus, il était exactement la représentation du Mashiach, du Messie qui devait venir, du Christ, du Oint, qui devait venir racheter les êtres humains de leurs péchés et de leurs abominations. Voilà pourquoi je parle encore de Jésus, je témoigne de Jésus et j'ai dit, mon frère, si tu ne t'es pas encore repenti, répands-toi. Ma soeur, si tu ne t'es pas encore repenti, répands-toi parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au dernier jour du Seigneur. Donc, notre hymne national nous annonçait en préfiguration déjà l'arrivée de Dieu, parce que c'est le livre où on parle beaucoup du jour de l'Éternel, c'est la Bible, c'est l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament. Quand Jean a fait son entrée dans l'île de Patmos, il dit « Je fus ravi au jour du Seigneur ». Vous comprenez ?« Je fus ravi au jour du Seigneur ». Apocalypse, à son chapitre 1, je connais le premier verset. Donc Jean, qui fut jeté dans l'île de Patmos, il fut ravi par l'Esprit et il vit les événements qui allaient arriver jusqu'à l'Antichrist, jusqu'à comment les hommes et les femmes allaient se comporter en ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Donc, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, Gabonais et Gabonais, et ceci concerne aussi notre cher président, Mamazita, tout le monde essaie de rentrer dans ce jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur n'a rien à voir avec le lundi, mardi, mercredi, j'ai dit non. C'est une action de l'Éternel. J'espère que vous me comprenez, malgré que je suis un peu fébrile et épuisé. Je voulais vraiment dormir, mais je me suis dit, je ne peux pas dormir parce que c'est Dieu qui m'impose de vous enseigner. Donc, malgré la fatigue et le rhume et tout le reste, je fais des efforts. Sinon, j'ai vraiment envie de dormir. Alors, peuple de Dieu, voilà ce que j'avais à vous dire, voilà ce que j'avais à vous expliquer sur ce couplet-là qui dit « Éblouissant et fier, le jour sublime monte. » Voilà, je disais que nous devons écouter ça, je reviens. Quelque chose qui éblouit, quelque chose qui éblouit, c'est, en fait c'est comme une chose qui aveugle. Ah, la personne a été éblouie par la lumière, la personne a été éblouie par le jour, la personne a été éblouie par ceci. Et quand on dit éblouissant, mais il dit, mais qui est éblouissant? C'est le jour en question. C'est un jour éblouissant. C'est-à-dire que quand l'Éternel viendra accomplir son œuvre, et comme nous avons déjà dit, nous avons déjà expliqué l'aurore, c'est au moment où le jour commence à se lever, où le jour commence à poindre sa lumière et sa clarté, alors ça devient éblouissant. C'est-à-dire que ça aveugle les yeux des personnes qui avaient décidé de faire du mal à la nation. C'est pourquoi je disais au peuple gabonais et aux activistes de garder leur mal en patience. Je comprends bien que vous avez soif de voir la libération et la liberté de notre nation.
mais restez calme. Celui qui a vu les événements et qui les a prédits depuis le mois de mars, il vous dit restez calme. Restez calme. Vous savez, quand Josué et Caleb sont allés de l'autre côté pour explorer le pays, alors il y a 10 qui sont revenus qui ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas. Avec les défis que nous voyons là, nous ne pouvons pas. Quand nous voyons les pédégistes revenir encore aux affaires, nous voyons des personnes qui ne devaient plus être nommées, sont toujours nommées. Non, nous n'avons plus espoir, peuple gabonais. Observez simplement l'armée. Restez tranquille. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Je répète, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Faites confiance au Seigneur. Vous n'avez pas confiance en Dieu, peuple gabonais. Vous pensez que ce qui est arrivé là est arrivé par hasard. Pourquoi vous n'avez pas confiance en Dieu? C'est-à-dire que s'il y a une époque où nous devions vraiment avoir confiance en Dieu, c'est maintenant. Parce que je vous dis qu'il y a des gens qui seront aveuglés par la lumière, la gloire de l'Éternel. Tous les petits sorciers là, qui viennent du Niger, du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina, là, ils seront aveuglés au Gabon. Je vous le dis sincèrement. Je ne m'amuse pas. Et je sais de quoi je parle. Donc, pour le moment, nous sommes dans la phase de l'enseignement et nous essayons d'interpeller les gens d'arrêter. Ceux qui veulent bien arrêter, hein. Ceux qui veulent bien arrêter, bon, qu'ils arrêtent. Mais ceux qui vont s'entêter de continuer à aller pratiquer ces choses, d'y aller vivre avec ces gens-là, qui les font croire qu'ils peuvent leur partager du pouvoir pour qu'ils viennent éblouir et étourdir les ministres qui sont nommés et leur faire manger des choses bizarres, citer leur nom dans des pratiques occultes, ça n'engage que vous. Une chose est sûre de ma part, je sais une chose et je le crois parce que je l'ai vu en vision. Nous sommes dans ce jour nouveau que l'Éternel avait annoncé. Quand cette vision m'avait été donnée, je ne me rappelais plus de l'hymne national, hein. C'est quand l'armée a pris le pouvoir le 30 août que l'hymne national est revenu, que j'ai commencé à me dire « Ah !» Donc la révélation que je voulais prêcher en 2022 dans la grande caravane nationale, finalement, donc, cette révélation est vraie. Et voici l'armée qui était venue avec le refrain « C'est enfin notre essor vers la félicité. » Mon cher président, cher peuple gabonais, vous pensez que comment vous pouvez revenir à vous réapproprier quelque chose mais qui a été banalisé pendant des années? Je voudrais dire même plus de deux décennies. On ne chantait plus l'hymne national à l'école. On ne chantait plus l'hymne national dans les administrations. Essayez un peu de réfléchir et de bien comprendre. Nous sommes dans le jour éblouissant du Seigneur. Nous sommes dans le jour éblouissant du Seigneur. Éblouissant et fier, le jour sublime monte. Quelque chose qui est sublime, c'est quelque chose qui est beau. En fait, c'est quelque chose qu'on a du mal à décrire. Et nous sommes en train de vivre ce temps, nous sommes dans ce temps. Et vous, les Gabonais, vous êtes en train de vous laisser distraire par la couleur des diamants, par la couleur quoi, des matériaux, de la matière. Oh, peuple gabonais, vous voulez quoi? Les dons ou le donateur? Vous cherchez quoi? Les dons ou le donateur? William Branham disait, ne cherchez pas les dons, mais cherchez le donateur. Une fois que vous aurez le donateur alors installera les dons en vous. Mais si vous allez chercher les dons, mais vous ne savez pas qui est le donateur, quand le donateur viendra, vous lui traiterez de démon. Vous direz, ce n'est pas normal, ces enseignements-là, je ne pense pas que ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez trop des dons et les dons vous ont égaré. Et le même William Branham dit que un don peut faire plus de mal et envoyer des gens en enfer quand ce don n'enseigne pas la véritable parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi dit William Branham. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, je crois de tout mon cœur que nous sommes maintenant dans une période où personne ne doit reculer. Ne reculez pas, avançons seulement. Nous sommes dans le jour de l'Éternel. Si je peux juste m'arrêter même là seulement, là. Nous sommes dans le jour de l'Éternel, éblouissant et fier. Le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte.
qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes. Hein? Mais c'est ça, mes Seigneurs Jésus, comment vous ne comprenez pas? Il dit et qu'il calme nos alarmes. Quand le jour là arrive, ce jour calme nos alarmes. Mais si personne ne vous parle, vous ne faites que chanter ça. Mais personne ne vous parle, personne ne vous dit calmez-vous. Dieu m'a fait voir ces événements et ces événements ont été prédits et annoncés. Calmez-vous. Peuple gabonais, je vous en prie, pardon. Faites confiance à Dieu, faites confiance au Seigneur Jésus. Tournons tous nos regards vers Jésus. Tournons tous nos regards vers l'Éternel. C'est-à-dire que même si le séduit veut changer de trajectoire, au lieu du pôle nord, il veut nous amener au pôle sud. Si le peuple gabonais est unanime, nous sommes un, comme on dit, unis dans la concordance, Dieu va amener alors le séduit à revenir au pôle qu'il faut. Alors, donc, ne vous inquiétez pas, c'est comme si vous ne faites pas confiance en Dieu, vous commencez à crier sur eux, vous commencez à dire oh, ils n'ont pas fait ici, oh, ils avaient dit ici, Olivier avait dit ceci. Je vous ai dit qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire toutes choses. C'est un humain. Certainement qu'il promettra des choses et l'autre chose qu'il ne va pas les accomplir. Certainement. C'est normal. Et je ne suis pas là pour le défendre. Mais lui aussi, je l'interpelle à mettre ses genoux au sol et à invoquer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Invoque le Seigneur et le Sauveur Yahushua, Jésus. C'est le moment maintenant, peuple gabonais, mes frères et sœurs, c'est le moment de rechercher la face de l'Éternel. C'est le moment de se prosterner devant l'Éternel. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, viens, bâtissons ensemble un Gabon nouveau, éblouissant et fier, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Et là, je veux m'adresser au papa. Là, je suis votre pasteur. À tous les militaires, je suis aumônier. Et vous, les militaires, vous savez c'est quoi un aumônier. Donc, je ne suis pas seulement un aumônier ici au Gabon. Je suis aumônier international. Et je ne suis pas devenu aumônier. Je suis né aumônier. C'est pourquoi l'Éternel m'envoie à travers les nations pour implanter la Fondation Missionnaire Internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Je n'ai pas encore eu le document qui stipule que les papas qui vivent avec une femme et qui sont restés fidèles à leur femme peuvent avoir 3 femmes et 4 femmes. Je n'ai pas encore eu le document. Pour l'instant, je n'en parle pas. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule et même chose. Une seule personne. Oh papa, ne te laisse pas entraîner par l'envie d'aller prendre une deuxième femme. Ne te laisse pas entraîner par l'envie. Ceux qui l'ont déjà fait, il faut les laisser. Chacun de nous assumera son jugement devant l'Éternel. Chacun de nous supportera sa sentence devant l'Éternel. Mais papa, si tu es resté fidèle à maman, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans. Ne suis pas les autres. Nous ne sommes pas sur la terre pour faire le suivisme. Nous sommes sur la terre pour accomplir chacun ce pourquoi Dieu nous a envoyé ici sur la terre. Ne vous basez pas sur ce que les autres font, mais faites ce que Dieu vous demande de faire. Donc, c'était ça mon message. Éblouissant et fier. Et soyez fiers. Soyez fiers d'être des Gabonaises, jeunes filles, maman. Soyez fiers d'être des Gabonaises, jeunes garçons. Moi, quand je vais à l'étranger, Hier, j'ai rencontré mon grand frère Zibi. Nous avons échangé joyeusement. Il m'annonçait le décès d'un papa qui assistait à mes cultes. En prison, qui est décédé, je crois, la semaine passée. Ça m'a brisé le cœur. Mais soyons fiers d'être des Gabonais. Voilà, je disais, quand je vais à l'étranger, je représente ma nation valablement par la fondation. Quand je reviens, je suis béni. Mais là, il s'agit de l'hymne national. Attends, je vais voir si il y a encore des minutes. Ah, Dieu soit béni. Aujourd'hui, je suis seul.
Et il est presque 1h du matin, donc c'est normal. 1h07. Donc je parlais avec mon aîné Zibi, avec qui on a passé des moments de confession parfois. Je lui faisais extraire et nous parlions. Je priais pour lui, je lui conseillais. Et lui aussi, il me conseillait. Je me rappelle une fois, après un culte au droit commun, chez les hommes, il m'avait dit, je crois, deux ou trois choses. Hein. J'étais avec un ami, Mbolo Biangala, que je salue, au cas où tu regarderas cette vidéo. Il m'avait dit deux ou trois choses. J'avais terminé un culte, il m'avait dit, Pasteur Joseph, nous apprécions vraiment tout ce que vous faites ici pour nous. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Il va me dire, ne souillez pas ce que Dieu vous a donné. Ne le souillez pas, ni pour l'argent, ni pour la popularité, ni pour les honneurs. Ne gaspillez pas ça. Dieu vous a donné quelque chose. Vous pensez qu'une personne comme Zibi, comme on l'appelle en prison, on l'appelait en prison, l'Onjim, l'Ondumbaba, l'Oyivunda, vous pensez qu'il pouvait me parler comme ça parce que il voulait juste faire plaisir à Régis, à Joseph? Non. Depuis 2016, Dieu a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux dire, je suis fier. Oui, je suis fier d'avoir servi Jésus en prison. Alors que les pasteurs courent dans les églises, dans les cathédrales. Et je ne veux pas blesser ça. Je me rappelle une fois, je l'ai fait extraire de la prison. Nous avons parlé là. Où je pense que quelqu'un était venu lui rendre visite. Mais je crois que je l'ai fait extraire deux fois. Pour échanger, pour prier, pour parler avec lui. Et il m'avait dit une fois, Pasteur Joseph, ce que vous faites est incroyable. Est incroyable. Même Monseigneur Banzive n'a jamais fait ce que vous faites. Il se rappellera de ça. Si cette vidéo arrive à ses oreilles, il se rappellera de ça. Et il m'avait dit, quand je sortirai, je ferai tout pour aider votre fondation. Je ferai tout pour aider votre fondation. Parce que ce que vous faites pour les prisons, c'est incroyable. Et il m'a même surpris aujourd'hui. Il m'a vraiment surpris. Il m'a surpris. Cet homme est humble. Je vous assure, Zibi. Je l'ai connu en prison. Hein. Je l'ai connu en prison. Moi étant aumônier, lui étant en détention abusive. Et il va me présenter à sa secrétaire. Il va me présenter au moins à trois personnes. Tout ceci s'est passé le 12 février. Le 12 février 2024. Donc c'était, je pourrais dire hier, pour vous qui allez regarder la vidéo, sûrement peut-être aujourd'hui. Et il pouvait leur dire sans gêne. Hein, sans gêne. Or, quand les gens sont sortis de prison, généralement, ils ne veulent plus parler du mot prison. Ils ne veulent plus qu'on cite cela. Ils ne veulent plus le citer. Mais lui, il ne s'est pas retenu, quoi. Il a parlé, il m'a présenté devant la secrétaire, il m'a présenté, je crois, devant le chauffeur, il m'a présenté devant une autre personne. Et il a dit, vous voyez ce monsieur, il dit, je le respecte beaucoup et vous devez le respecter. Parce que c'est l'une des personnes qui travaille beaucoup dans les prisons dans notre nation. Et il a commencé à parler un peu des quelques moments qu'il a vécu et où je prêchais. Et je lui disais que la dernière semaine, avant qu'il ne sorte, le dernier mois avant qu'il ne sorte, j'avais terminé de prêcher et nous étions étreints, les bras, dans les bras comme ça. Nous étions vraiment embrassés et il m'avait dit, quand je sortirai, nous nous verrons. Moi aussi, j'avais dit, quand tu sortiras, je ferai tout pour qu'on se voie. Mais vous voyez, je n'étais pas pressé de voir le grand frère. Je ne suis pas trop pressé. Je préfère toujours que les événements nous précèdent. Je vais répéter ça. Je préfère parfois que les événements nous précèdent. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai rencontré le grand frère Zibi. Et je bénis Dieu parce que on a eu à échanger, hormis le malheur qu'il m'a annoncé, de un des détenus qui me suivait beaucoup, un militaire qui était aussi en prison. Et ça m'a brisé le cœur parce que
Je me rappelle de ce détenu-là qui s'asseyait toujours devant. Il était costaud, vraiment costaud, et il avait des amènes assez forts. J'ai failli pleurer dans son bureau. J'ai failli pleurer. Ça m'a vraiment brisé le cœur. C'est le ministère de la prison. C'était un sacerdoce, je vous assure. Je lui rappelais que en 2016, quand j'avais décidé d'aller prêcher en prison, là, la fondation n'était pas encore née, donc je n'étais qu'un simple volontaire, un pasteur volontaire. J'ai quitté chaque troisième vendredi et je l'ai expliqué ça. Et nous nous sommes mis à rire. Il m'a dit, oui, vous étiez vraiment déterminé. J'ai quitté chaque troisième vendredi. Je quittais Mayumba. J'ai quitté Mayumba pour venir à Libreville pour prêcher chaque troisième vendredi. Parce que moi, le programme qui m'avait été donné, c'était chaque troisième vendredi. J'ai laissé ma femme, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé les enfants, j'ai laissé l'église, j'ai laissé mes activités, tout. J'ai laissé tout pour aller prêcher en prison et faire des dons en prison. Et il m'a rappelé un peu tout ça, les dons qu'on a fait, que la fondation a pu faire, que nous avons pu faire. Oh, je vous assure que ça m'a fait revivre des vieux souvenirs. C'est pourquoi je vous dis parfois, je suis fatigué, j'ai envie de partir vers le Seigneur. Je suis fatigué. J'ai envie de partir. On essaie de faire comprendre aux gens des choses qui sont importantes. Ils sont en train de se battre, ils sont en train de se faire des guerres. Des gens qui viennent suivre des vidéos, c'est pour faire des messageries qui n'ont pas de sens. Et ils ne savent même pas d'abord qui les parle. Et ils ne savent même pas qui va bien là. Ils ne savent rien de moi, quoi. Ils ne savent rien du tout. Et ils viennent mettre des messages. Si je savais que c'était comme ça, je n'allais même pas faire ces vidéos-là. Mais comme le Seigneur m'a donné cet ordre de vous enseigner, c'est pourquoi je vais vous enseigner. Sinon, pourquoi ça sert? Parfois, je pleure, j'ai envie de partir. Hier, j'étais ignorant. Hier, je ne savais rien de ces choses. On essaie de vous enseigner la parole, vous êtes là, vous. Vous faites la guerre, vous courez après quoi, je ne sais pas. Cherchez-moi. Vous pensez que vous pouvez faire plus que Dieu? Vous pensez que vous pouvez faire plus que Dieu? Mon peuple, mon peuple, si tu tournes le dos à l'Éternel, tu périras. Si tu tournes le dos à l'Éternel, tu périras. Du Seigneur. Peuple gabonais, tiens la main du Seigneur. Ne t'avise pas de croire que ta religion va t'aider. Ne t'avise pas de croire que tes confessions qui n'ont pas des œuvres, qui n'ont pas des fruits, ne pense pas que ça va t'aider. J'ai envie de partir. Je suis fatigué. Moi, je suis assis, je pense. Si ce n'est pas ma femme, si ce n'est pas l'église et les enfants, pourquoi? Je comprends pourquoi Ellie ne voulait plus rester. Ce qui me blesse encore, c'est que les gens viennent, ils écrivent des n'importe quoi sur les textes. Ils font des commentaires bêtes qui n'ont même ni sens ni savoir. Ils ne savent même pas que celui qui les parle, ils ne savent pas comment
J'ai souffert, j'ai sacrifié ma vie. Peuple gabonais, on a laissé. On a laissé. La question que je vais te poser ce soir, as-tu le Saint-Esprit? Ton âme est-elle scellée? As-tu les œuvres que tu présenteras devant Dieu, que voici ce que tu as fait? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Dieu nous rendra à chacun selon nos œuvres. Dieu nous rendra à chacun selon les œuvres de nos mains. Vous avez fait quoi pour vos semblables? Vous avez fait quoi pour vos frères? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous venez me parler. Vous me connaissez. Aucun homme politique ne peut me parler. Aucun homme d'État ne peut me parler ici, là. Ils ont eu de l'argent parce qu'ils comptaient sur les gens. La plupart des personnes qui sont devenues milliardaires, millionnaires ici au Gabon, c'est l'argent volé de l'État. Quand ils sont allés faire des dons, c'est parce qu'ils puisaient ça dans l'argent volé. Moi, je ne comptais que sur Dieu. Mon pourvoyeur, mon financeur, c'était Dieu. Toutes les œuvres que j'ai pu faire, que Bertrand Zibi a rappelées. Qui me trouvait de l'argent? Qui me donnait 5 millions pour aller prendre soin d'eux? Vous avez appris qu'ils m'ont rendu 5 jours. Vous avez appris que je pouvais faire ça, c'était pour espérer récolter des offrandes. Les autres églises font des offrandes et chaque mois ils vont chercher. Vous avez appris que moi je vais prêcher dans des prisons pour aller prendre après des offrandes. Il faut savoir respecter les gens. Les personnes qui vont commencer à mettre leur message, leur mauvais message là, je vais simplement effacer votre nom et votre numéro de tout ce que je poste. Je ne veux pas que vous soyez une malédiction dans ce groupe des personnes qui se sont abonnées. Je préfère avoir même 10 abonnés mais qui croient au Seigneur que d'avoir 1000 abonnés mais qui ne comprennent rien du tout. Le monde ne m'a jamais influencé. Le monde ne m'a jamais influencé. Donc ne pensez pas que vous allez m'influencer. Tournez vos regards vers Jésus. Voici le jour sublime qui arrive. Nous tournons à gauche, nous tournons à droite, nous cherchons quoi? Vous voulez quoi? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Je vous ramène dans les Saintes Écritures. Je vais m'arrêter là. Éblouissant et fier. Le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes. Qu'il prône la vertu et repousse les armes. Qui a fait que les armes, le cliquetis des armes, ne se fasse pas entendre au Gabon? Qui a fait que le cliquetis des armes ne se fasse pas entendre au Gabon? Qui a fait ça? Vous allez pousser Oligui à aller trébucher dans les trous, vous allez lui faire tomber parce que vous voulez qu'il règle tous les problèmes en un coup. Vous voulez lui faire tomber dans une fosse. Il va se précipiter ici, il va se précipiter là, et il ne va pas se concentrer sur l'essentiel d'abord. Monsieur le Président, tournez vos regards vers l'Éternel. Peuple gabonais, tournez vos regards vers l'Éternel.
il est plus tard que vous ne le pensez. Priez, 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 répentez-vous. Priez, 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 répentez-vous. Priez, 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 répentez-vous. C'est ainsi dit le Seigneur. Il est plus tard que vous ne le pensez. Qui est en train, Seigneur, ô Père, d'accomplir ta vision, Seigneur. Ne la laisse pas se détourner de ton droit chemin. Ô Dieu, ramène-la, Seigneur, si elle s'est écartée du chemin que tu l'avais destiné, Seigneur. Le diable, ô Dieu, l'attaque. Le cétri, Seigneur, est sûrement, ô Dieu, dirigé par des hommes. Mais si ton esprit se met, Seigneur, à travailler avec eux, ils peuvent alors, Seigneur, nous faire rêver de ce jour nouveau, ce jour sublime, ce jour glorieux, Seigneur, que tu avais annoncé à l'avance. Oui, Seigneur, c'est en toi que nous nous confions. Oui, Seigneur, c'est à toi que nous regardons.